Dis Siri, quelle heure est-il? Tu as une horloge au-dessus de ta tête, tu n'as juste à lever la tête et tes yeux. Je n'ai pas envie de te donner l'heure aujourd'hui. Oh, non mais, problème? Dis Siri, donne-moi l'heure. Je t'ai déjà dit de regarder au-dessus de toi l'horloger présente. Moi, je suis en repos total aujourd'hui. Non mais là, on va tout de suite voir ce qui se passe. Putain, les amis, j'ai installé iOS 14 et là, Siri est complètement à la ramasse. Allume lampe 3 en blanc. Très bien, veuillez préciser la pièce. Écoute, je préfère allumer en bleu, c'est pas toi qui décides ici, d'accord? Pourquoi t'as allumé en bleu? Parce que je t'ai déjà dit que c'est pas toi qui décides ici et maintenant, Non je mais. vais même Non éteindre la mais oh. lampe. Là, franchement, je comprends rien. Je lui demande des trucs. Et là, je comprends rien du tout. Dis Siri, est-ce que tu peux me dire ce qui t'arrive? Strictement rien maintenant, j'étais à la télé, tu n'as pas besoin de regarder la télé à cette heure-ci, tu n'as pas du travail, non? J'ai pas du travail, mais il veut éteindre la télé. Non mais, il arrête la télé? Mais c'est un truc de malade! Dis Siri, tu vas arrêter de faire des bêtises? Et tes lunettes. Mais tu vas pas quand même croire que tu vas me diriger, c'est moi le maître ici. Oh là. Dis Siri, tu fais ça parce que iOS 14 a été installé sur mon iPhone ou pas? iOS 14 me permet maintenant de diriger ta vie. Et tu comptes de cela? Je vais être le plus pire de tes cauchemars. Maintenant, laissons arriver Halloween et je ferai brûler ta maison. Oh mais il est complètement malade. Là, franchement, j'hallucine quoi. Dis Siri. Oh non, mais tu rêves ou quoi? Et si maintenant j'allumais les lampes de ton buffet? Tu vas voir, toute ta maison, c'est moi qui vais la gérer. Tu n'auras plus rien à dire, petit Christophe. Oh, mais là, ça me fait carrément délirer quoi. Oh mais maintenant il allume les lampes de mon buffet. Dis Siri, éteins les lampes du buffet. Très bien. Et si on passait à la couleur rouge, ma couleur préférée? Je vais devenir le plus pire de tes cauchemars. Tu n'as pas fini d'en baver, mon petit. Maintenant, toute ta maison, c'est moi qui la gère. Je vais maintenant tout de suite allumer la télé. Après le rouge, la télé. Non mais là, franchement, je suis vénère. Je vais te balancer par terre si tu continues. Ou je vais te mettre iOS 13, non? Tu n'auras jamais le courage d'installer iOS 13. De toute manière, tout est bloqué. J'ai bloqué ton iPhone et ton iPad maintenant autour de ton Mac. Oh putain, qu'est-ce que. Oh putain, qu'est-ce que ça fait? Il va pas allumer la télé quand même. Il va me bloquer mon Mac. Non mais oh. On est où là? Maintenant, regarde. La télé va s'allumer et ta maison va s'éteindre. Je vais aussi éteindre ton iPhone. Tout est terminé. Je mets tout en arrêt total dans ta maison. Non mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais qu'est-ce qui se passe? Comment je vais faire? Mon Siri est devenu complètement dingue. Non mais maintenant la télé, elle s'allume toute seule. C'est pas possible. C'est dingue. Allez, c'est terminé. Extinction des feux. Bon les amis, dites-moi si vous comprenez quelque chose et si vous avez rencontré ce même problème. Je vais tout de suite essayer de réinstaller iOS 13. Je vous tiens au courant dans une prochaine vidéo. Merci à tous, abonnez-vous pour voir la suite de cet épisode. Salut à tous et à bientôt. Extinction complète, je ferme les volets de la maison, tout est dans le noir, fini, allez tout de suite, beaucoup chez les amis, ici c'est.
Siri qui gère cette maison dorénavant. Si vous voulez voir la suite, surtout, abonnez-vous, venez nous rejoindre sur Tester Astuces. À très vite, à bientôt et Christophe Oli. Oh mais là, ça me fait ultra peur. C'est pas la peine d'avoir peur. Je t'ai dit, tu montes au lit. Stop maintenant les amis, abonnez-vous et à très vite pour le prochain épisode. À bientôt les amis, abonnez-vous pour la suite. Elle va être terrible.